Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Andron pour le 10e et dernier épisode de mon Let's Play sur le jeu The Legend of Zelda Link's Awakening. Et donc je vous avais essayé la dernière fois, et ben on avait fini tous les donjons, tout simplement. Et du coup on va aller s'attaquer à l'œuf, mais tout d'abord je voulais faire un petit peu des side quests, un petit peu de tout, on va voir. Et puis bah, allez, on y va, c'est parti. Alors, on était chez Monsieur Wright qui venait de nous filer un balai à la fin de l'épisode, donc qui fait partie de la quête des bidules. Je suis une grosse merde. Qui faisait partie de la quête des merde. Du troc, voilà, tout simplement. On va aller là où il faut pour faire la suite du troc. Il y a des trucs que j'ai un peu laissé un peu partout dans cette genre ici. Regarde un petit peu, oui j'ai des stocks d'armes, enfin de... Oh tiens, un coquage surprise. J'ai des stocks de munitions pour mes armes parce que je vais en avoir besoin pour le boss final. Au final, il n'y a pas de donjon final comme dans la plupart des Zelda où il y a toujours le dernier donjon avec le dernier boss en plusieurs phases et tout. Non, non, directement dans l'œuf, il y a une petite énigme à résoudre et ensuite c'est pof le boss quoi. Le boss qui a un grand nombre de phases pour le coup. Alors, non, c'est pas Pepe le Ramolo que je cherchais. Mais du coup, elle est où? Me dis pas qu'ils l'ont changé de place. Alors, le balai, je dois la donner à une nana, normalement, qui est dans ce village. Par contre, s'ils l'ont déplacé, je suis pas d'accord. Bah, merde. Alors, où elle peut être? Normalement, la vieille, elle est là. Où est-ce qu'ils ont foutu? Comment dire, téléphone à l'extérieur. Pepe le Ramolo n'a pas l'air d'être un grand causeur. Oui, c'est ça, en fait, c'est un... Pepe le Ramolo, c'est celui qu'on appelle quand on va dans ce jeu, dans les cabines téléphoniques. Dring dring, c'est moi, Pepe. Ma femme est allée au village des animaux et m'a laissé tout seul. Peux-tu lui dire de revenir à la maison quand elle aura fini... Voilà, ok. Quand elle aura fini de faire le ménage. Donc, faut que j'aille au village des animaux, du coup. Qui est assez étrange parce que j'ai pas souvenir qu'il fallait se déplacer jusqu'au village des animaux dans la version Game Boy tout court. Bon bah on va y aller, hein. De toute façon il y a le TP pas loin. C'est tranquille. Ah oui, un petit truc. Il peut toujours être pratique si vous avez plus de vie dans certains endroits. Voilà, hop, il y a une fée. Il arrive que certains arbres aient des fées. Oui, c'est des arbres. Hein. Moi aussi je pensais que c'est des champignons, mais c'est des arbres. Alors là on est au donjon numéro 8, mais c'est pas là qu'on veut. Ok, c'est pas là non plus où on veut aller. Alors, elle doit être par là. Où es-tu? Elle est là. Youpi, youpi, un balai neuf. Merci, c'est pour moi? Oui. Ah, elle est contente, elle a son balai. En récompense, je te donne un hameçon que j'ai trouvé au bord de la rivière. Tu as échangé le balai contre le hameçon. Que feras-tu de celui-ci? N'empêche, tu sens bien le jeu fait dans les années 90 avec la nana qui balaye pour son mari et son mari qui attend qu'elle ait fini le ménage. Ah ouais, bah voilà. Ah merde, c'est pas par là que je voulais passer. Il faut que j'aille dessous le ponton. Aïe. On va passer par là. On va aller dessous le petit pont. Hop. Voilà, il y avait un truc caché. Mais qu'est-ce que tu as dans la main? N'est-ce pas un hameçon?
Si tu me le donnes, je te ferai don de ma prochaine prise, d'accord? Oui. Ouvre les yeux et mate le pro. Waouh, il est énorme. C'est un collier. Voilà. C'est un collier, le collier de la sirène, sachant que dans la version Game Boy, évidemment, c'était pas un collier, mais un soutif. Voilà. La bonne censure. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce qu'en fait, la version, j'avais une version française, même pas une version anglaise ou quoi que ce soit. Donc du coup, voilà, on prend une écaille, on va s'en servir pour la statue. La statue qui est pas loin. Du coup, je me dis, c'est assez bizarre d'avoir à appliquer une censure a posteriori. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient aux jeux vidéo. Et du coup, il fallait essayer d'appliquer un minimum de restrictions. Je sais pas. Je sais pas par où il faut que je passe exactement. Je crois que c'est par là. Sinon, c'est l'autre côté. Ouais, non, c'est l'autre côté. Hop, donc faut que je fasse demi-tour. Voilà. Aïe. Alors le tout, c'est de passer par le bon endroit. Ah oui, c'est ici. Donc ouais, bah ici, on peut pas y accéder tant qu'on n'a pas le grappin. Mais de toute façon, m'emmerde pas, toi. De toute façon, voilà. Tu y poses des cailles qui manquaient sur la petite sirène. Et hop, un passage. Aïe. Donc là, il y a des ennemis qui sont invisibles. Et on a besoin de la loupe pour le voir. Par contre, je sais plus du tout où est-ce qu'elle sert... Où est-ce qu'elle sert ailleurs? C'est-à-dire la loupe, bon... À part ici, je me souviens plus du tout où est-ce qu'elle peut bien servir. Donc voilà, le troc est fini, on a obtenu la loupe. Il nous reste 15 coquillages surprises. On va essayer de passer un petit peu aussi voir les coquillages surprises, où est-ce qu'on en est par rapport à la jauge. Donc là, je les ai clairement pas tous, hein, je crois qu'il y en a une vingtaine. 20-25. Donc il m'en manque encore un petit paquet. Mais j'en ai pas mal, sachant qu'il y a pas mal d'endroits... Il y a moyen que je puisse pas tous les avoir, étant donné que j'ai pas mal d'endroits que j'ai fait sauter, où je suis allé un peu vite. Il doit y en avoir que j'ai oublié dans les donjons, parce que les donjons, je les ai fait un peu à l'arrache, on va dire ça comme ça. Certains, je les ai carrément explosés de manière pas légale. Il y a que les derniers, au final, où je les ai plutôt fait de manière legit. Alors, je suis curieux de voir où est-ce qu'on atteint avec 15... Ah, les deux, hein. Il m'en manque pas tant que ça, hein. Pas de réponse, vous n'avez pas assez de coquillages. Et ça donne pas des trucs? Ah, ils ont peut-être changé ça. Ok. Donc voilà, pour avoir l'arme de l'épée de niveau 2, il faut avoir du coup, je pense, une vingtaine de coquillages. Il doit pas m'en manquer beaucoup. Mais je les ai clairement pas tous. Je vais essayer de vous montrer aussi où se situe le... où se situe là où on peut récupérer le boomerang. Parce que ça peut être utile, notamment quand vous avez des herbes. Comme celle-là. Les hautes herbes que vous pouvez pas détruire à distance avec avec des flèches. Par contre, vous pouvez la détruire avec... vous pouvez les détruire avec une merde... avec le bâton de feu, qui est très puissant. D'ailleurs, est-ce que... Je peux vous montrer... Est-ce que ça détruit les petites herbes? Non, ça détruit pas les petites herbes. Le bâton de feu, c'est vraiment une arme qui est assez puissante. Hein. Mais genre, par exemple, hop, ça permet de détruire ça, c'est assez pratique. Vous pouvez en profiter, mais si vous voulez directement passer à certains endroits qui sont inaccessibles avant d'avoir le bâton de feu, vous pouvez utiliser le boomerang. Il va moins loin, mais ça marche pareil. Ça permet de passer des trous ou de détruire des morceaux de comment ça s'appelle, des morceaux d'herbe assez facilement. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Il est sur la plage. Et après, je pense qu'on va se diriger tranquillement vers le boss final. Le boss final qui nécessite pas mal de... d'éléments, genre
Vous avez besoin de poudre, vous avez besoin de flèches, vous avez besoin de pas mal de choses. D'ailleurs, je crois qu'il y avait quelque chose ici. Je sais pas s'il y a quelque chose ici. Hop. Non, il y avait rien. Ok. Alors, on va prendre la plage, parce que de toute façon, c'est sur la plage. Tac. Voilà, c'est ici. Il suffit de poser une bombe, donc il vous faut au moins les bombes pour y accéder. Voilà, c'est bidule. Sur la plage, j'ai ramassé une merveille. Je te l'échange contre l'objet qui est dans B. Oui. Donc là, il faut mettre la pelle. Ah là là. Et hop, le boomerang. D'ailleurs, c'est pas tous les objets qui sont dans B, hein, évidemment. Ça peut paraître perturbant au début. J'ai essayé tous les items du jeu avant de me rendre compte que c'était la pelle. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc voilà, c'est assez pratique. Ça va assez loin. Je sais pas si ça va jusqu'au bout. Non, ça va pas jusqu'au bout quand même. Mais c'est assez pratique. Surtout contre des adversaires où... Ça permet, en plus on peut le diriger donc c'est plutôt pas mal. Surtout contre des adversaires où ils prennent pas de dégâts sur certains trucs comme l'épée ou tout ça, normalement ça passe. D'ailleurs je crois que le renvoyer plusieurs fois... Voilà, vous voyez ça détruit aussi l'herbe, c'est très pratique. Donc là on va s'attaquer à l'œuf, mais pour ça il faut d'abord que je passe par ici. Il faut que je livre Mystère et Secret de Cocoline, tu veux le lire ? Dans l'œuf, on tourne, 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 tourne. Alors là, il faudrait que je note quelque part. Merde, j'ai pas de papier à la disposition. Voilà, j'ai noté le mouvement qu'il faut faire. En fait, c'est un truc qu'il y a dans quasiment tous les Zelda, en fait. C'est quand il faut se déplacer selon un chemin bien précis, sinon on revient toujours au début. Ce qui est plutôt classique, en fait, par rapport à ce qu'on peut trouver dans les Zelda. Pour ça, je vais me TP. On va aller plus vite, je vais me TP directement chez Monique la lunatique. Sachant que j'ai le baume en plus, donc je peux prendre une mort normalement, et ça me remettra avec toute ma vie. Je suis tranquille. Bon, il manque encore des quarts de cœur, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Il me manque 5 quarts de cœur. Voilà. Et oh, je voulais passer. Tant pis. Il me manque 5 quarts de cœur, bon. Ça va. C'est pas non plus affreux. Sachant que je vous ai vraiment pas tout montré du jeu. Je vous en ai montré une bonne partie, hein, franchement. Mais clairement, je vous ai pas montré tout à 100%. Il reste encore pas mal de mystères sur cette île que je vous laisse découvrir. Franchement, jouer à ce jeu, c'est vraiment un très bon jeu. Sur émulateur, c'est tranquillou. C'est mieux quand même sur console. Hein. Mais c'est quand même très agréable. C'est un excellent Zelda 2D. Hop, on va ouvrir l'œuf. Le poisson rêve t'attend, entre dans l'œuf. Ouais. Et donc, ouais, je voulais dire... œuf sacré. Là, il y a un énorme trou. Et en fait, on peut pas passer de l'autre côté. C'est genre pas possible. Faut tomber dedans. Voilà, donc là, c'est le labyrinthe, à la con. Donc, gauche, haut. D'ailleurs, si vous jouez de l'ocarina avant d'avoir tous les... droite, haut... Avant d'avoir tous les items, ça fera des musiques différentes parce qu'en fait ça empile des musiques dessus.
Gauche haut et droite haut. Ça me paraît ça. Voilà. Ok. Bon bah allons-y, hein. Nous provenons des cauchemars. Pour dominer ce monde, nous avons provoqué un sommeil sans fin chez le poisson grève. Tant qu'il dort, l'île existera. Nous sommes les maîtres ici. Et toi, avorton, tu arrives pour contrecarrer nos plans? Ah ah, tu ne nous battras jamais. Tu vas périr. Alors. Première forme. Merde. Voilà. Là, il faut de la poudre. Ok, première forme éliminée. Je me souviens plus des autres. Je me souviens que de la première et de la dernière, généralement. Ah, c'est celle-là. Celle-là, elle est chiante. C'est celle où je perds généralement plus de vie. Ah, c'est assez simple dans le sens où bah, il suffit de se mettre en face. Et si c'est une grosse boule bien pleine, il faut lui renvoyer. Si c'est pas du tout une boule bien pleine, il faut pas lui renvoyer parce que ça passe au travers de tout. Ah putain. En plus, des fois, c'est pas hyper précis. Ok, c'est bon. Oh bah il a fait 100 chance. Parce que si c'est pas une boule bien pleine, en fait ça traverse bouclier, ça traverse tout, et puis ça, c'est très chiant. Ah, c'est le même que le boss de début. Pas très compliqué, il suffit de bourriner. Et oh, reviens. Pas très difficile cette partie-là. Et bim. Ok, nouvelle forme. Alors celle-là. Il suffit de foncer dessus. Tant pis s'il nous touche. Aïe. J'aurais voulu la plus de vie qu'avant. Voilà, c'est bon. Ah ouais, celle-là, elle m'a pris du temps la première fois. C'est tout con pourtant. C'est juste un coup de baguette de feu. Et la forme finale. Donc là, j'ai besoin non pas de l'épée ni rien du tout, c'est l'arc et la plume. Aïe. En fait, faut esquiver ses bras, sachant qu'il se décale légèrement, et tirer dans l'œil. De toute façon, c'est toujours l'œil le point faible. D'ailleurs, je trouvais ça assez bizarre de ne pas avoir utilisé l'épée pour la dernière forme du boss final. Bah. Le problème, c'est quand il se met là-bas, il est difficilement accessible et difficilement esquivable. Chiant. Ah oui, si vous avez plus de flèches, vous êtes mort. Hein. Allez, ouvre ton œil. Putain. Allez. Jamais hein, tu l'ouvres. Il est chiant. Putain, mais il l'ouvre une fois que je peux plus. Putain. Je suis en train de me faire défoncer juste parce qu'il l'ouvre jamais. Allez!
C'est pas normal ça. Ouah. Cette île va disparaître. Notre monde va disparaître. Notre monde. Fils de pute. Voyou, tu as battu Maleficio. Va et monte les escaliers. Oui, il a un nom, le boss. Ouh, petit, pardon, maître voyou, j'adore ce nom. Tu as anéanti les monstres, tu as fait preuve de force, de sagesse et de courage, évidemment, force, sagesse, courage. Étant un des esprits du poisson rêve, je protégeais son monde onirique. Hélas, un jour, le cauchemar envahit son rêve et menaça la paix de l'île. Mais toi, voyou, tu devins notre espoir. J'ai toujours cru en toi. Merci, voyou. Ma tâche est accomplie et je dois réintégrer le poisson rêve. Adieu. Le magnifique poisson rêve. Je suis le poisson rêve. Long fut mon sommeil. Dans mes songes, un œuf apparut, puis une île l'entoura. Des gens, des animaux, un monde était né. Mais le rêve a toujours une fin. C'est le destin. Quand je m'éveillerai, Cocolint disparaîtra. Or, le souvenir de cette île doit rester dans nos cœurs en tant que réalité. Toi aussi, un jour, tu te souviendras. Ce souvenir doit rester réel, dans un monde de rêve. Waouh, c'est profond. Viens, voyou, éveillons-nous ensemble. Joue la chanson de l'éveil. Allez, c'est la fin. C'est une fin d'ailleurs qui me met toujours. Elle me fait toujours quelque chose. Voilà, c'est la fin de ce Zelda. Bah, c'était plutôt cool. Moi, j'ai particulièrement bien aimé. D'ailleurs, il existe une seconde fin disponible si vous faites le jeu sans mourir une seule fois. Sachant que moi, je suis mort 6 fois d'après l'indicateur de partie au tout début du jeu. Voilà.
Voilà, que dire d'autre? J'espère que ça vous aura plu ce Let's Play. Moi, ça m'a beaucoup plu de rejouer avec un jeu que j'ai toujours apprécié et que je voulais vous partager, bien que ce soit très différent de ce que je fais d'habitude. Déjà, c'est du jeu rétro, alors je fais généralement pas des jeux récents, mais pas non plus des jeux rétro. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein, si ça vous a plu, si vous voulez voir plus de jeux rétro, parce qu'au final, j'en ai fait quand même quelques-uns. Du coup, pourquoi pas, hein. Moi, ça me plaît beaucoup. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à dans 4 jours pour un nouveau Let's Play. Et puis voilà, portez-vous bien. Allez, salut!